Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans le cadre du Salle C'est Chouette organisé par Gwen et Christelle pour l'arrivée de Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs sur leur groupe. Alors, j'ai mis un petit peu de temps avant de choisir ma toile. Je ne savais pas trop si j'allais partir sur le C'est Chouette avec une toile plutôt humoristique ou si j'allais prendre au pied de la lettre le mot chouette. Et finalement, ben, j'ai décidé de commencer cette toile-là avec Edwige. Voilà, toile Harry Potter, c'est chouette. Bon, c'est un hibou? Non, c'est une chouette. Parce que les hiboux, ils ont des... Je sais plus comment ça s'appelle, là. En haut de la tête, je regarde ma chienne. Il est tôt, hein. Je filme, il est tôt, donc je ne vais pas parler trop fort. J'espère que vous m'entendrez. Donc, on va commencer celle-ci. C'est une DIY cross-stitch. Une des rares DIY cross-stitch que j'ai aujourd'hui dans mon stock. Je ne sais pas si j'en reprendrai pas, en fait, des DIY cross-stitch. J'ai pas été déçue par le rendu de Madame au chapeau. Donc, on verra ce que donnera cette toile-ci. Alors, regardez-moi ces belles couleurs. Elles sont trop, trop belles. Bon, la seule chose qu'on puisse reprocher à DIY Cross Stitch, ce sont les patrons, les tout petits patrons. Mais celle-ci, bon, c'est un petit peu confetti hein, au niveau de la chouette. Mais sinon, elle est plutôt bloc. Et j'ai 29 couleurs. Alors, il y a un QR code... Je ne suis pas sûre qu'il fonctionne le QR code, mais j'ai ma tablette qui est en train de charger. Donc, j'essaierai de voir si ça fonctionne. Je sais qu'il y a des copines qui ont essayé d'utiliser ce QR code sur des toiles et le QR code ne fonctionnait plus. Donc, ça permettait d'avoir le patron sur tablette ou sur téléphone, quoi. Ça, c'était pas mal quand c'est tout petit. Heureusement, DIY Cross Stitch fait de très très bons, de très très bonnes impressions sur ces toiles. Donc, et je vous remontre, regardez ces belles couleurs. C'est trop beau. J'adore. Donc, j'ai suffisamment traîné sur cette toile. Donc, voilà, c'est l'occasion de la sortir. Alors, vous me direz, je pourrais la prendre aussi pour le salle des séries qui commence au mois de mars. Mais j'en ai une autre de prévue. Donc, avec DIY Cross Stitch, on n'a pas de toolkit, mais on a deux aiguilles. Alors, le chat n'est pas doré. Je regarde juste. Non, ça va. C'est pas trop pointu. Peut-être celle-là. Je vais prendre celle-là. Alors, si jamais vous avez des aiguilles qui sont un petit peu trop pointues, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une lime et limer le bout de votre aiguille. Donc, je vais mettre ça là-haut. Hop. Je vais la bloquer. Voilà. Donc voilà la toile. Alors, la toile qui n'est pas surjetée. J'ai trouvé une technique de surjetage sur Instagram. Ouais, c'est sur Instagram. Oh, j'ai trouvé ça génial. Le démarrage est ultra simple. Donc je vais tester. Et si effectivement ça fonctionne, je vous ferai une petite vidéo dessus. Voilà. Alors, il y a celle d'Isabelle. Mais là, vraiment, le démarrage est hyper simple. Et puis, même le surjetage, en fait, est tout bête. Tout bête. Donc, je vais l'essayer sur cette toile, puisqu'elle n'est pas surjetée. Et je vous montrerai ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire... Alors, déjà, je vais... plier la toile, je vais déjà un peu la malmener.
Je vais faire doucement parce que comme elle n'est pas surjetée, il ne faut pas non plus que j'abîme trop les bords pour la rendre un petit peu plus souple. Donc n'hésitez pas à le faire. Bon, après, je sais très bien que les toiles s'assouplissent avec le temps. Voilà. Et là, c'est vraiment pour le démarrage, que ça ne me fasse pas trop mal aux mains, enfin à la main, parce que je recommence à avoir mal. Donc voilà, plusieurs jours de... Comment ? Plusieurs jours d'humidité, le froid qui s'installe, ça commence à devenir un peu dur. Donc je n'ai pas brodé. Alors je filme, on est lundi matin. Bon, hier j'ai brodé que deux longueurs de fil. Et encore c'était en fin de journée. C'était le soir. De la journée, j'ai rien brodé. Et samedi, je n'ai quasiment rien fait non plus. Donc voilà, week-end plutôt tranquille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour être en avant sur ma table, hein, parce que je me suis mise dans la salle à manger, ce sont les vacances, donc tout le monde dort. Et je vous reviens. Voilà, l'installation est faite. Alors, on va travailler ici. Donc ça, c'est l'écharpe. Et là, il y a un petit bout de neige. Donc on va faire ça. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps... Je vais vous garder. Ah, c'est du rose. Ah oui, d'accord. Ok. Ils ont même pas fait le nœud. Ok. Bon, attendez, je vais prendre déjà un fil. Ok. Oh, punaise. Bon, attendez, ça, je viens. Ça a dû les enquiquiner de faire le nœud. Ils en avaient marre ou ils étaient en retard. Bon, je suis en pyjama. Hein. Une des rares fois où je vous filme en pyjama. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je sais pas ce que j'ai. Oh. Ok, ok, ok. Attendez, parce que j'ai un fil qui s'est incorporé. Donc, on va le remettre là. Sérieux. Alors, normalement, aujourd'hui, il doit faire beau. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Parce que demain, rendez-vous médical pour mon fils. Jeudi aussi. Il faut que je l'amène chez la généraliste aussi pour sa surveillance. Ça va pas être des vacances de tout repos. Ok, tu vas me faire quoi là? Je sens que ça va pas être le jour pour broder. Il y a des jours comme ça. Allez, hop, ça je mets de côté. Je rassemble mes brins. Donc si vous faites cette technique là, vous aurez des croix plus étoffées, plus gonflantes. Donc ça fait plus joli. Ok, ma petite aiguille, j'espère qu'elle va pas me faire mal au doigt. Sinon j'ai recherché une lime. Allez, on est parti. Ça, hein. À moins que je le prenne pas. Ah, alors déjà là. Ça c'est du rose, ça c'est du rose. Ok. Alors je vais commencer ici. Allez, 1, 2, 3.
Alors, c'est de la neige, mais c'est un rose pâle. Bon, ben on verra ce que ça donne. Hein. Faisons confiance à DIY Cross Stitch. Parce que quand je brodais Madame au chapeau, tiens, j'aurais dû la chercher. J'aurais dû vous la remontrer parce que comme il y a de nouveaux abonnés sur la chaîne, c'est vrai que ça aurait été sympa que je vous montre le rendu. C'est bizarre, j'ai l'impression que l'aiguille, elle est plus courte que d'autres. Ça fait trop bizarre. Ah oui, elle est plus courte. Enfin, je crois. J'ai brodé un petit peu mes oursons ce matin. Parce que bah, du coup, de ne pas avoir brodé ce week-end, j'avais pas fini mes 10 longueurs. Il va falloir que je sorte la chienne. Non, Laure, c'était pas là qu'il fallait que tu ailles. Je fais des conneries. Oh, je crois que c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'ai l'impression que l'aiguille était plus longue. On va y aller, Fifi. Hein. Finis juste ça. Bon, je vais devoir vous laisser 30 secondes. Enfin, vous ne verrez rien. Hein. Il va y avoir une petite coupure. Le temps que je sorte Fifi. Oui, on y va, Pépette. Allez, je reviens. Allez, me revoilà. Bon, ça a été rapide. Elle n'avait pas fait pipi ce matin quand mon mari l'a sortie. Donc. Et puis hier soir, quand même. Fallait bien qu'elle fasse. Et là, maintenant, elle va aller voir ma fille ou mon fils pour aller au lit. Pour faire dodo avec eux. Mais non, c'est trop tôt. Il n'est même pas 8 heures. Non, non, elle reste avec moi. Elle les laisse se reposer. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça va. Fatigant. Samedi, on a fait des courses. On est rentré. C'était 18h30 passé. Moi, j'en pouvais plus. J'ai une migraine qui s'est installée. D'ailleurs, je me suis couchée, c'était 8h30, 9h moins le quart. J'ai même pas mangé. J'ai bu, j'ai pris un Doliprane, je suis allée me piéter. Bon, après, forcément, j'ai été réveillée tôt dimanche matin. Mais. Et à la rigueur, j'étais même pas bien parce que j'avais trop dormi par rapport à ce que j'ai l'habitude de dormir. Mais ah ouais, non, samedi soir, j'étais claquée. Je dormais debout, quoi. Et je pense que c'est ce temps qui fait ça. Je suis fatiguée, c'est un truc de malade. Il fait froid, il fait bon. Là, il fait. Là, il n'est même pas 8 heures et il fait bon dehors. Hein. On n'aura pas vraiment eu d'hiver. Ici. Non, Nouchka, tu viens là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. N'importe quoi. Ah là 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 là. Donc, ben voilà, une nouvelle toile de commencer encore. Hein. On ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Donc, je crois que je vais essayer de me fixer des objectifs. Des objectifs mensuels parce que oh d'ailleurs j'ai même pas encore commencé là, j'ai complètement oublié de faire la vidéo
avec la roue pour la vidéo 2 semaines de toile. Et ben c'est pas grave, hein. Je vais la tourner dans la journée. Comme ça, j'aurai mes 2 toiles sélectionnées. Ça décalera un petit peu la vidéo, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Allez, on est parti pour des allers-retours. Alors peut-être que je vais essayer d'inclure maintenant des petites musiques en fond de mes papotages. Comme ça, quand j'ai des moments où j'ai besoin de souffler, où j'ai la migraine qui est vraiment installée, bah, vous aurez toujours une petite musique d'ambiance pour accompagner le point de croix. Il faut que je trouve des musiques zen, gratuites. Donc, je vais partir à la recherche de tout ça. Ça peut être sympa aussi. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de... Je sais pas, en ce moment, mes papotages, on m'a dit hein, que non, c'était très bien, ça plaisait et tout ça, mais je sais pas. Comme je suis pas en forme, hein, j'ai l'impression que ça va pas. Je suis sur une période de doute. Ça m'arrive. Hein. Mais bon. C'est juste la fatigue, je pense, qui parle. Et quand je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de parler. Mais j'arrive pas à faire les vidéos ASMR non plus. Donc, ouais. Ah, bah tiens, en parlant de un petit papotage lecture, j'ai terminé le tome 1 de Fils des Brumes. C'était l'Empire ultime. Et je me suis régalée. D'ailleurs, j'ai commencé le tome 2 ce matin. J'ai commencé le tome 2 ce matin. Bon, j'ai pas lu beaucoup. Hein. Je me fais mes 2 chapitres. 2 chapitres par jour, c'est très bien. Et par contre, il est beaucoup plus long que le tome 1, le tome 2. En général, les tomes 2, ce sont des tomes de transition. Donc, sur ma liseuse, il fait 1000 pages. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. Donc, je suis contente de retrouver les personnages. Je ne me rappelais pas de la fin du premier tome. Je ne me rappelais pas que ça se terminait comme ça. Enfin, si, il y a une chose que je me rappelais. Mais pas que ça se déroulait de cette façon. Donc, bon, après, je l'avais lu il y a plus de 10 ans, ce bouquin. Mais je me suis régalée à faire une relecture. Pourtant, je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un qui relit ses livres. Mais là, là j'étais bien contente. Je me suis bien remise dans le bain. Et en fait, dans le tome 2, il y a un résumé complet quand même, hein, du tome 1. Donc, je me suis dit, ah, aussi bien, tu n'avais même pas besoin de relire le tome 1. Mais bon.
J'ai repris aussi sur Netflix une série que j'avais commencée. Oh, ça fait un petit moment. J'avais regardé que le premier épisode. C'est The Night Agent. Et ben c'est pas mal du tout. Je me suis fait deux épisodes hier après-midi. J'ai bien aimé. Donc c'est une mini-série parce qu'il n'y a que 10 épisodes. C'est l'histoire d'un. Alors je sais pas s'il était flic à la base. Oui, il était flic à la base. Et en fait, il y a un attentat qui se fait dans le métro. C'est où? C'est à Washington, New York, je sais plus. Et il est grièvement blessé. Et en fait, il va rentrer au FBI après l'attentat. On le retrouve un an après. Il est rentré au FBI, au service, dans un service secret, sur les agents de la nuit. Il est censé. Alors, il travaille sur des dossiers en parallèle et il doit répondre au téléphone d'une ligne secrète qu'utilisent ces agents de la nuit quand ils ont un problème. Et d'habitude, bah, il ne se passe jamais rien là-bas. Et là, ce soir-là, il reçoit un appel d'une jeune femme qui demande à l'aide. Puisque son oncle et sa tante ont été assassinés. Voilà. Donc, il y a toute une histoire sur ça et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc ça, c'est sur Netflix. Et il faudrait que je commence La Roue du Temps sur Amazon Prime, mais j'y arrive pas pour l'instant. Je n'y arrive pas. Bon, mes croix sont pas terribles en aller-retour. Donc. Et en plus, quand c'est du clair, ça se voit d'autant plus. Donc, on va les faire. Ouais. C'est dingue, hein? Alors, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je la vois. Clairement. La toile est raide pour l'instant, donc c'est un peu dur. Allez. J'ai bien envie de reprendre aussi Ma fille avec le lapin. C'est une toile qui me manque. C'est un truc de fou. J'aime bien la travailler, celle-là. Je vais essayer de faire aussi deux fils sur ma toile coucher de soleil pour l'avancer aussi. J'ai plein de choses à faire. C'est surtout que je n'ai même plus de vidéos ben pour la semaine en fait. Il y en a une qui est prête pour mardi, mais qui n'est pas du point de croix. Enfin, c'est pas une vidéo de réalisation. Donc je ne sais pas si j'en mettrai une aussi. J'en sais rien. Mais après, pour toute la semaine, j'en ai pas. Il faut que je vous fasse aussi la deuxième vidéo unboxing avec VIP Cross Stitch. J'ai pas d'autres colis, donc pour l'instant, ça me va très bien. Il faut que je vous fasse aussi la vidéo pour le défi cottage. Et mes intestins qui chantent.
Donc là, aujourd'hui, c'est journée au repos. Eh bien, on va en profiter, hein, donc il vaut le dé. Je vais essayer de profiter pour filmer un maximum. J'aimerais vous faire aussi une vidéo sur European Town en point compté. Il faut que je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, je ne sais plus. C'est vrai qu'à force de tourner sur quantité de toile, je suis un petit peu perdue. Mais bon. Après, ça me plaît hein, de faire comme ça, donc. Je ne me plaindrai pas. Alors, on a reçu aussi un mail du lycée. Mon fils a bac blanc le 4 et 5 mars. Donc la deuxième semaine après la rentrée. Bon. J'espère que ça va le faire. J'espère que vous y voyez. Je suis un peu au bord, mais ça a l'air d'être bon. Alors, je suis en retard sur les vidéos. Je ne m'en sors pas. De toute façon, j'arrive pas à les regarder. Je suis tellement fatiguée que je m'endors. Donc. Et hier soir, c'est hier soir ou en fin de journée, je sais plus. J'ai réussi à terminer la vidéo de Gwen d'il y a 10 jours. C'était son panda. Et j'ai vu aussi hier soir celle sur le sale romantique avec sa Sailor Moon, qui est un DIY cross-stitch d'ailleurs. Elle est superbe cette toile. Enfin, en tout cas, l'illustration est magnifique. Je pense qu'avec DIY cross-stitch, ça rendra bien. Je me fais pas trop de soucis. Donc c'est vrai que on peut critiquer. Un DIY cross-stitch aurait des améliorations à faire sur les patrons, la grandeur des patrons, surjeter la toile, ça serait bien. Ça a déjà été dit et demandé, mais ils le font pas. Mais à côté de ça, les rendus sont quand même bien. Alors moi, j'en ai fait qu'une. Oui, parce que les flamants roses, c'était pas du DIY cross-stitch. Donc j'en ai fait une et franchement, alors on se pose la question hein, souvent sur ouais, ils nous mettent du verlas, est-ce que ça vaut vraiment le coup, machin. Mais il faut faire confiance, je pense. Enfin, moi avec Madame au chapeau, j'ai pas été déçue. D'ailleurs, c'est une toile qui avait bien fonctionné quand je l'avais montrée, quand je l'ai brodée. Et j'en avais vu d'autres, je crois, de DIY cross-stitch. Et ben, je me demande si Mélanie, qui fait en point compté son Dumbo, c'est pas une DIY cross-stitch. Et franchement, ça rend bien. Donc, ils ont quand même. Il y a de jolis rendus sur les conversions qu'ils font.
Il faut que je fasse attention parce que j'ai mal là en fait. Hier soir, j'avais à ce niveau-là, ça craquait. C'est hyper désagréable. Ça fait trop mal. Il faut que je reprenne ma Mickey. Je suis contente de ce que j'ai fait sur ma Mickey. J'espère que j'arriverai à la finir rapidement. Ça m'en ferait une de moins. Parce que j'ai une nouvelle aussi qui va rentrer pour le salle détente. Que Kiki, Minimeux et Mimi ont organisé pour en arriver sur leur groupe. Donc j'ai trouvé ma toile. Ça y est, je leur ai montré. Et bon, ben, je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Hein. Et il y aurait de quoi dire quand même sur le choix de ma toile. Je m'interroge quand même un petit peu. J'ai hâte de vous la montrer et de la commencer. Bon, ben écoutez, là, vous voyez, on est parti. Enfin, je suis partie en tout cas. Sur cette toile, je suis contente. Hein, parce que depuis le temps qu'elle traînait dans mon stock et que j'avais envie de la faire, c'est ça le pire. J'avais quand même envie de la faire, cette toile de Edwige. Très curieuse de voir le rendu de la conversion que DIY Cross Stitch a fait de cette image. Je suis sûre que ça va bien rendre. J'en suis persuadée. J'espère que vous n'entendrez pas mon frigo. Il fait un bruit. C'est comme ma plaque de cuisson aussi. Bon, après, tous les appareils ont presque 15 ans, hein, puisque ça va bientôt 15 ans qu'on est dans la maison. Donc, on avait tout changé quand on avait emménagé, puisque tout était électrique. Tout est électrique dans la maison. Hein. Et bon, comme on a mis une cuisine intégrée, on avait pris aussi l'électroménager. Il n'y a que le frigo qu'on n'avait pas changé. On l'avait changé, je ne sais pas, quelques années avant qu'on déménage. Donc, on l'avait gardé. Hein. On l'a toujours, il fonctionne bien. Mais il fait un drôle de bruit quand même. Par moments, j'ai dit, oh toi, dans quelques temps, tu vas nous lâcher. Allez. Alors le 22 février pour le salle détente, c'est aussi l'anniversaire de ma pépette. Elle aura 7 ans, Nouchka. Elle a fait fille. Oh, elle dort sur le canapé, hein, faut pas trop la déranger. C'est trop tôt encore.
Ce qui est trop, c'est qu'elle dort la journée. Et puis après, le soir, à 9h, elle prend sa balle et puis elle nous regarde. Alors, dire quoi? Tu veux jouer à 9h du soir? Et quand on essaye de la motiver la journée, non, la journée, ça l'intéresse pas, elle dort. Nous sommes de faibles humains. Nous jouons avec elle quand elle veut. C'est ma pépette. J'ai avancé aussi ma fleur de février. Alors, le but serait de la terminer avant le 14. Nous sommes le 12. Il m'en reste encore quelques croix à faire. Hein. Ça, on ne peut pas dire que je me précipite sur ma toile. Je prends mon temps. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Hein. On a le temps. Puis comme j'ai dit, hein, de toute façon, le but c'est d'arriver à faire toutes les croix. Voilà. De la fleur, je parle, hein, pas des contours et pas le point arrière. Voilà. Si vous arrivez à faire le point de croix de la fleur, votre objectif est atteint. Hein. Parce qu'après, le point arrière, bah, ça prend plus de temps. Le contour, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Après, voilà, vous faites votre toile comme vous le souhaitez. Ah, je suis désolée, il y a de l'ombre parce que ben, je suis dans la nuit. Les volets ne sont pas ouverts. Bon, cela dit, je ne sais pas quel temps on va avoir aujourd'hui, mais ça ne va pas être terrible. Allez, j'arrête mon fil et puis on va travailler les croix turquoise ou peut-être les points noirs, enfin bleu marine sur fond bleu. Je sais pas. On va travailler ce coin-là de toute façon. Donc je reviens. Alors, donc je vous ai dit la croix turquoise, c'est le 22. Ah, le 22, c'est celui-là. C'est un mauve. Le 22 ou le numéro 5. Le 5, c'est ça. Non, ben on va prendre le mauve. On va faire l'extérieur. Allez. On est parti. Hop. 22. Allez, go. On y va. Après, je ferai une pause de toute façon pour pas trop tirer sur mon poignet. Je vais faire un petit peu mon ménage. Je ferai la vidéo unboxing et après je refilmerai peut-être une vidéo de réalisation. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, il faut que je regarde. Enfin, j'ai plein de choses à faire justement. Il y a tellement de choses à faire que maintenant je note. J'organise vraiment mes vidéos. Et comme j'ai pas de colis, eh ben c'est très bien. Ça me permet de prendre de l'avance sur les vidéos de réalisation. Que si jamais je reçois un partenariat, ben je calerai le partenariat entre deux vidéos de réalisation. Donc,
Allez, on va commencer là-haut. On voit que la toile est raide, hein. Qu'elle est neuve. Je suis vraiment curieuse de voir le rendu, hein, parce que c'est la neige que je fais là. Donc, de toute façon, vous le voyez, hein, parce que je vous mets l'image. Ouais, j'essaye maintenant de ne pas oublier de vous mettre l'image de ce que je brode. Ce qui serait bien, c'est que je vous encadre même la partie où je suis. Bon, cela dit, là, ça se voit, hein. C'est vrai qu'il y a des moments où j'oublie de le faire. Ah, sur les oursons et le coucher de soleil, j'avais oublié de la mettre. La vidéo était enregistrée. Ah ben, je suis retournée sur mon logiciel de montage. J'ai rajouté l'image et j'ai re-enregistré. Oh, j'ai mes intestins qui chantent, hein. Ou dis-moi. J'ai déjeuné tôt. Donc, ouais, je pense que je vais essayer de me fixer. Enfin, je vais essayer. Bon, il faut que je me fixe des objectifs sur les toiles. Alors, sur les oursons, avec Marie, on fait 800 points. Et c'est largement faisable. C'est largement faisable. Donc, bon, 800 points sur chaque toile, ça va faire beaucoup, je pense. Ça me trotte dans la tête. Donc, faire des roulements. On va faire ces deux-là. Ah, il m'énerve ces intestins. J'espère que vous les entendez pas. Bon alors, le mauve et le rose clair se mélangent très très bien. Voilà, à l'œil nu, pour l'instant, je ne vois pas trop de différence. Alors, je passe mon aiguille devant pour pouvoir mieux la passer derrière. Si jamais vous avez des soucis, faites comme ça. Normalement, ça va être bien. Et comme je veux vraiment prendre entre chacune des trois croix, je vais pas y arriver. Je suis pas sûre d'être au bon endroit, mais bon. Et voilà, il y a un nœud. Non, c'est bon.
Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bah oui, il m'a fait un nœud. Ok. Alors, on y va. Il est où le truc? Là. Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Enfin, j'ai cherché une aiguille à 28. Allez. Je vais abîmer mon fil. Bon, je reviens. Bon, j'arrive pas à l'enlever. Donc, on va voir si ça passe dans le trou. Sinon, ben, j'arrêterai mon fil. Oh, ça va, ça passe. Vous entendez? Ça fait clac. Écoutez. Bon, il est tout petit, hein, donc. On va aller faire les deux qui sont ici. Je pense que c'est peut-être pas une journée pour broder. Y a des jours comme ça. Hein. Alors j'ai commandé deux toiles sur AliExpress, une en fil coton et une en fil de soie. Bon, c'est pour mon anniversaire. C'est le 25 février. J'ai eu envie de me faire un petit plaisir. Donc, bon, après il faut attendre la fin de leur nouvel an chinois. Hein. Pour que ce soit expédié. Donc je vais pas les recevoir tout de suite. Mais bon. Mon prochain achat sur AliExpress, j'ai bien envie de tester les fils variations. Alors je sais pas si je prends qu'une seule couleur, si je prends le lot avec toutes les teintes qu'il propose pour tester. Je sais pas. J'ai bien envie de me prendre un patron monochrome, de faire un monochrome mais en fil variation. Et comme j'adore le bordeaux, je pensais prendre le fil variation rouge bordeaux, vous savez les dégradés là. Il y a une youtubeuse que je suis, alors qui n'est pas française, hein, qui fait le pandémique de Languedoc.
Oh, c'est quoi le titre? Log Dog Sampler. Et ça, c'est un patron que j'aimerais bien m'offrir aussi. Mais il fait 22 livres. Donc, j'attends un petit peu. Mais j'ai bien envie de me faire un Long Dog Sampler. Sais pas combien ça fait 22 livres en euros. Mon nœud va bientôt être dessous. Il est ici. J'espère qu'il va rester dessous. Pas sur le dessus. Ah. Et ça se fond bien, hein, le rose avec le mauve comme ça. C'est super joli. Passe dans le trou, passe dans le trou, passe dans le trou. Oui, c'est bon, il est à l'arrière, je le sens. Et voilà. Je le sens, il est là. J'espère juste qu'il ne va pas m'embêter pour passer mon fil. Non, c'est bon. Et ben voilà. Et je suis tranquille. Je n'ai plus de trou. De trou. De nœuds. Laure, elle est dans le trou, hein. Laure, elle va aller se coucher. Et vous voyez, quand je fais mes croix une par une, c'est quand même beaucoup plus joli que quand on fait en aller-retour. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Si j'agrandis. Vous voyez? Donc. Là, j'ai fait en aller-retour. Et ben, je trouve que ça fait moins joli que quand on est en croix par croix ici. Non, il faut que je réduise. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites en aller-retour ou vous faites du croix par croix? Je sais que... Comment ça s'appelle? Christelle, elle fait du croix par croix. Bon, de temps en temps, des allers-retours, hein. Comme moi, en fait, hein. Selon les moments, on n'a pas trop le choix. Bah, Gwen, elle fait du croix par croix aussi. Mais elle fait de l'aller-retour aussi. Ouais, donc en fait, on a à peu près, on travaille toutes de la même façon. Parce que Myriam. Alors Myriam, elle travaille beaucoup en aller-retour, je crois. Isabelle, elle fait du croix par croix. Pareil, bon, des moments aller-retour, hein. Mais elle fait du croix par croix. Donc ouais, on est quand même plusieurs à faire du croix par croix. Et puis au moins, une fois que la croix est faite, vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus. Faire celui-là. Alors là, je vais arrêter mon fil. Je ne le tire pas jusqu'au prochain. J'ai pas envie.
Donc, hop. Ici. Non, je peux pas là. Normalement, il faut que je prenne là. Ah, j'ai mal au doigt, j'ai mal au poignet. Il veut pas. Je l'ai passé là, et bien on va le passer comme ça. Hop. Là. Alors, ben on va prendre là. D'ailleurs, je les avais pas vues celles-ci. On va les prendre là. Est-ce que vous y voyez là? Je les avais pas vues celles-ci, vous voyez? On va les faire en même temps. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis des points comme ça isolés. Je sais pas. Je vais regarder la couleur du fil, hein, ce que c'est. On est sur quoi? Le 13. Ah oui, c'est ça. Ils mettent ça en plein milieu. Ah, mais on est sur l'écharpe là. Ok. Ok, j'ai rien dit. Donc là, je vais faire des allers-retours, hein, puisqu'il faut que je monte. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. On fait du croix par croix, mais il y a des moments où on est obligé de faire en aller-retour. Pour avoir des croix bien pleines en aller-retour, il faut aller doucement, de façon à bien placer son fil. Que ça couvre bien la case. Voilà. Et là, je récupère mes croix. Alors, attendez, parce que là, j'en ai un. Je vais faire cela. Donc là, je vais faire en aller-retour, parce que j'en ai un qui est ici.
Alors, celui-là, je vais le faire à l'envers. Donc là, normalement, j'ai plus de croix. Là, j'ai plus de croix. Non. Ok. Ben voilà. Donc après, je vais m'arrêter là, hein, pour la vidéo. Je vais continuer un petit peu de mon côté. Et puis, je vous mettrai une photo de ce que j'aurais fait de plus. Alors, je vais pas en faire énormément, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment que je ménage ma main. Surtout que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Alors, je parle pas que du point de croix, hein. S'il n'y avait que le point de croix, ça serait bien. Donc, en tout cas, je sens que le patron, enfin le patron, la toile va être hyper plaisante à faire. Donc celle-ci, vous voyez, je l'ai gardée en 11 CT. Hein. J'ai assez de points comptés comme ça. Surtout que je veux démarrer aussi mon temple égyptien, hein, que je fais en duo avec ma petite Claudie. C'est encore une toile que l'on m'a demandé il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce que j'allais la commencer? Donc, je vais vous faire la vidéo de préparation. Il faut que je... Comment? Que je surjette la toile. Parce qu'elle... le site de mère en fille ne surjette pas les toiles non plus. Donc, comme c'est du 20 CT... Et qu'en plus, ça va être quelque chose qui va durer longtemps. J'ai pas envie que la toile s'abîme. Donc, je vais la surjeter. Je vais surjeter celle-ci aussi, parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Et puis, si la technique que j'ai trouvée sur Instagram est tip-top pour le surjet, je vous ferai une vidéo dessus. Comme ça, vous aurez la technique d'Isa et la technique de Laure. Voilà. Allez. J'arrête. J'arrête mon fil. Pourquoi il veut pas? Elle est bizarre cette toile-là. Elle me donne du fil à retordre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le rose ici. Je vais faire l'intérieur là. J'ai quelques petits points isolés avec ce symbole-là. Et puis, bah, je vous ferai une petite photo de près de la zone ici pour que vous voyez un petit peu ce que cela donne. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous mets, si je trouve la toile, je ne sais même plus avec quel partenaire j'ai été pour cette toile. Je ne sais plus. C'est très certainement VIP Cross Stitch, je pense. Si je la retrouve, je vous mets le lien de la toile. Avec le code promo ben, du site, hein, si il y en a un. Et puis, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!